Comment le marché, Romy? Attention, il y a oui, oui. Et ça, c'est ma petite fondation. Je vais faire deux chambres dans cette fondation. Et normalement, ça, c'est pas la maison définitive. C'est plutôt une marcation. C'est-à-dire, je viens ici, il faut, comme font tous les gens, de marquer leur terrain. Et malgré que je fais ça, ça n'empêchait pas mes voisins d'avancer sur moi. Parce que normalement, ils ont mieux pensé que moi. C'est-à-dire, ils pensent à l'avenir, comment ils pourraient profiter avec beaucoup d'argent en vendant ces terrains. Par exemple, ce trou-là que vous avez constaté, c'est un voisin qui venait après moi et qui a vu, normalement, si il arrive à creuser un trou, je ne vais pas demander de la combler. C'est la raison pour laquelle il l'a fait. Et si vous remarquez là-bas, il y en a une maisonnette en plastique. C'est-à-dire que c'est la première maison que je trouve ici, dans cet endroit. En 2010, donc trois mois après le séisme. Après le séisme. C'est-à-dire... Elle avait recouvert de plastique. Mais le plastique... ne peut pas résister avec le vent et le soleil. C'est la raison pour laquelle cette maison change. Ok. C'est-à-dire, je suis en bas maintenant. Vous avez vu comment je saute et je saute très loin pour descendre en bas. C'est-à-dire, quand je monte les blocs, ça va plus haut toujours. Et ça va me rendre, ça va me donner le pouvoir de contempler, de contrôler cet endroit. C'est-à-dire, je ne suis pas comme les États-Unis qui cherchent une montagne le plus haut pour faire la guerre, pour cibler tout l'univers, mais moi c'est juste, je voulais contempler les étoiles parce que j'admire et la création de Dieu. Et ensuite là je vais, ça c'est l'arrière de la maison, mais la face est ici. Pourquoi tu es venu ici à Canarin au premier lieu? Bon, normalement après le séisme, et cet endroit n'était pas habité par des hommes. Il y en avait des reptiles, des toutes sortes d'insectes qui vivent ici. C'est-à-dire qu'ils jouissaient de la chaleur tropicale et ensuite qui inspire de bonheur. Du bonheur. Mais après le 12 janvier, les gens commencent par découvrir, ah, il y en a un meilleur lieu pour inspirer, respirer plus bien. C'est-à-dire qu'ils ont choisi ici, malgré ici c'était comme déserté, mais avec le temps, les gens commencent à réfléchir comment on peut amener la fraîcheur ici. Et commence à planter quelques jardins, par exemple. Non seulement ça apporte de la fraîcheur, mais ensuite ça pourrait donner des choses à manger. Par exemple, là, ça c'est du pois. C'est un pois que les Haïtiens mangent toujours. Ça s'appelle pois Congo. Je ne sais pas l'origine de ce mot Congo. Peut-être ça comme le créole, c'est comme une mélange.
On se peut-être dit, il est venu de l'Afrique. Yeah, peut-être de l'Afrique Congo. Et ensuite, on peut dire un mot anglais qui se dit « come, go, come, go ». C'est-à-dire les esclaves au temps de la colonie entendent toutes les choses que les grands planteurs, que les blancs français disent. Et ils répètent mal. C'est-à-dire ça réincarne toujours dans sa forme, notre langue. C'est la raison pour laquelle on ne veut pas admettre que la langue créole est une langue. On veut dire plutôt, c'est un... j'allais oublier. Un dialecte. Dialecte. Ça, ce sont des voisins. Voilà les voisins. Malgré qu'ils habitent ensemble, après le séisme, l'égocentrie ne cesse pas. C'est-à-dire, l'égocentrie pourrait détruire le genre que l'homme n'existait plus. Il la porte avec eux. Oui. La porte. Même au ciel. Yeah, même au ciel. Peut-être en enfer. En enfer, oui. C'est-à-dire, là, c'est la face de la maison. Là, va représenter comme étant la face. Et dans cette face, je vais en sorte faire une sorte de... comment peut-on dire ça? Une sorte de canal. Un canal. Mais canal, c'est... Je vais monter quelques blocs ici et laisser un petit espace juste pour planter, pour faire un petit jardin en fleurs, etc. Et ensuite... Je vais faire en sorte une marche, escalier, parce que je ne vais pas faire des galeries comme les autres maisons, parce que ça, ce n'est pas définitif. Ça, ce n'est pas définitif. Parce que normalement, je vais utiliser la galerie comme terrasse. Le toit. Le toit de la maison pour faire de la galerie. Je vais faire... Et comme ça, il va avoir une grande belvédère. Vous pouvez voir là... La mer qui est tellement belle. Et ça, c'est le plein. Comment ça s'appelle? La plaine. Comment ça s'appelle? Plaine de cul-de-sac. Plaine de cul-de-sac. Et ensuite, si on peut regarder plus loin, c'est Port-au-Prince. Si on peut regarder les montagnes, c'est Pétionville, Belleville, etc. Les gens, les hommes. Cascoff, les Bourgeois. Même Belleville, oh, oui. Yeah. Thomasin. Mais là, il est de l'autre côté de les montagnes. Côté nord. Yeah. Ils sont en train de discuter pour les terres. Moi, je ne vais pas les occuper parce que je devrais... Et tu ne veux pas entrer dans cette guerre? Non. Ce que je fais là, c'est pour éviter la guerre. Mais pas pour pénétrer dans la guerre. Et c'est difficile pour séparer ces gens, pour désactiver ces gens dans la guerre. On ne sait pas quoi faire. Juste, je vais voir si je vais passer quelques jours sur terre, dans la paix. Mais je sais que la paix. Je vais voir comment ça va terminer.